Bonjour, salut tout le monde. Je suis Nelly Jouma, artiste, chanteuse, ivoirienne. Et j'ai décidé de garder, parce que c'est pas un choix, Nelly Jouma, c'est mon nom à l'état civil, prénom Nelly et Jouma, non. J'ai décidé de le garder parce que tout le monde me connaît depuis Startenaire en tant que Nelly Jouma. Je l'ai gardé pendant les inscriptions, pendant la compétition, et je revenais à la musique avec un album complet. Je ne me voyais pas en train de changer de nom, de prénom, d'avoir un petit nom d'artiste. Non, j'ai voulu juste garder ça pour qu'on m'identifie à travers Nelly Jouma. J'ai commencé par le cinéma parce que juste après Startenaire, la réalisation avait produit une série qui était, je crois, Unité Spéciale. Et il fallait jouer dans cette série-là. Et toutes les filles ont joué dans cette série-là, qui est Unité Spéciale. Et donc là, personnellement, je constatais en même temps que j'avais aussi des qualités d'actrice. J'aimais déjà la musique, mais ça s'est présenté à moi en premier. Du coup, je suis devenue actrice par la force des choses. Et puis après, je suis revenue à mon premier amour qui est la musique. Alors, dans mes débuts, j'ai commencé avec des singles. J'ai réalisé un single Reconnaissance. Un deuxième single après qui était... Non, quand j'ai commencé avec les Startenaires d'abord, excusez-moi, avec un single. Quatre filles, Mariama, Balakis, Ami et moi. On a sorti un single qui était Yemamania. Je ne sais pas s'il faut compter ça dans mes chansons, mais je compte toujours parce que c'est de là que je viens. Et puis après ça, j'ai eu un single en solo qui est Reconnaissance. Après ça, je suis revenue avec un album de 8 titres qui est Destiné. Et maintenant, un deuxième album de 12 titres qui est Cocktail. Donc on va dire deux albums et un maxi single. Donc j'ai décidé d'appeler mon deuxième album Cocktail parce qu'il est coloré. J'adore les couleurs. J'ai fait aussi de la peinture, pour ceux qui ne savent pas en passant. Alors j'aime beaucoup tout ce qui est coloré. Et ça tombe bien, mon album Cocktail, je l'appelle Cocktail parce qu'il est, il est varié. On a plusieurs styles à l'intérieur. On a du reggae, du slow, l'afrobeat, afrozouk, tout ce que vous voulez. Et aussi, j'ai décidé de mettre en valeur ma culture. Donc, je chante en plusieurs langues, Yakuba, Guéré, et quoi encore, Bété, plusieurs langues. Voilà pourquoi j'ai décidé, je pense que l'album porte bien son nom, Cocktail. Très important pour moi, déjà parce que je suis un mélange de couleurs, moi-même. Hein, et mettre en avant ma culture, je pense qu'il faut, vendre sa propre culture, il faut vendre sa culture, c'est très important. Et je le fais aussi parce que j'adore les langues de chez moi. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas toutes ces langues-là. J'ai envie de les mettre en valeur. J'ai envie de faire connaître mes langues, mon pays, ma culture. Voilà pourquoi j'ai fait ça comme ça. N'empêche, je chante aussi en français dedans. Et puis, je veux dire, que ce soit en anglais ou en langue de chez moi ou n'importe où, je pense que la musique n'a pas de... Comment dire, elle est universelle. Voilà, donc que je chante en anglais, que je chante en français, en langue, je peux très bien me vendre ailleurs comme ici. Ça va vous sembler bizarre, mais là, je tire mon inspiration dans la douleur. Hein, quand j'ai très très mal, ou je suis très très triste, ou un peu trop contente. Les deux, enfin, les émotions, je pars dans tous les sens là. Quand j'ai de l'émotion, quand je suis trop triste, j'ai tout de suite envie de m'exprimer. Alors, comme je ne peux pas raconter à tout le monde ce que je vis ou truc, je mets directement en chanson. Après aussi, il y a mon quotidien qui m'inspire. Mon message à l'endroit des téléspectateurs, c'est je demande du soutien, hein, et de comprendre que je suis toujours en train de travailler pour atteindre un objectif. Et même quand
je serai à ce niveau-là, je pense que je continuerai encore de travailler pour atteindre encore un deuxième, parce qu'on ne se lasse pas, on a toujours des objectifs. Alors je demande juste aux téléspectateurs du soutien, de croire en moi, de m'accompagner dans cette aventure. J'y crois et j'aimerais bien avoir des personnes autour de moi pour me pousser et croire en moi. Voilà, et moi je serai toujours là aussi pour vous donner du plaisir, travailler encore plus pour que tout le monde soit fier de moi, que ce soit le staff ou toutes les personnes qui m'aiment ou qui me regardent. Voilà. Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Tu sais, dans la vie, faut jamais baisser les bras. Même quand ça ne va pas, ne te décourage pas. Il faut garder la foi et toujours.